Lève le fil. Tu vas? Oui. Salut, moi c'est Emma, je suis étudiante graphiste pour les AOC Médoc et au Médoc. Chaque mois, on va découvrir un nouveau visage et un nouvel aspect du métier de vigneron. Et faites-moi confiance, on va pouvoir profiter de la nature et surtout des beautés du Médoc. Bonjour, aujourd'hui je suis à Verteuil pour rejoindre Lucas du château Aubaron qui va m'expliquer les pamprages. Bonjour Lucas. Bonjour Emma, bienvenue dans notre parcelle de Haut-Médoc. Du coup, pour cette journée des pamprages, je vais te donner tes petits gants qui vont te permettre à vraiment sortir les pampres du cep de vigne. Ok, on commence. Et du coup, on va commencer par là-bas. Okay. Du coup, Emma, je vais te montrer les pamprages du coup, sur notre cordon de Roya. C'est une taille peu courante quand même dans le Médoc. C'est pas très compliqué en fait, c'est vraiment de sortir tous les bois non fructifères. Donc en fait, le pied, c'est une liane, donc en fait, tout ce qui va pousser. Nous, on voudrait que la sève, majoritairement, elle aille dans les côtes pour faire une meilleure qualité de raisin. Oui. Donc du coup, en fait, on va sortir tout ce que nous servira pas pour la taille. Donc tout ça, tu le fais à la main. Voilà, tout ça, c'est à la main. Et après, notre appareil va vraiment servir à le faire sur la souche. D'accord. Pour vraiment curer un maximum et pour pas avoir à passer de manière récurrente. Okay. Viens ici. Viens. Allez, viens. Emma, je vais te montrer quelque chose de rigolo. Donc, lève le fil. Tu vas? Oui. Il part hyper vite. Et je voulais te demander ça, ça sert à quoi du coup? Du coup, ça c'est un silo où on stocke du grain. En plus des vignes, on a aussi des céréales que l'on fait en famille. Où on fait voilà, une production de maïs, de blé, de tournesol. Pour après, par la suite, les vendre directement. Ok, super. Emma, pendant ce petit casse-croûte, je voulais te présenter une cuvée dont je suis fier. Donc c'est la cuvée Le Petit Baron. D'accord. Je voulais créer plus une cuvée facile à boire, donc une cuvée majoritaire de Merlot. Donc c'est vraiment un vin très gourmand, léger, style blanc ou rosé. Ok. Et du coup l'étiquette, c'est une petite référence Maïko? On était en train d'étiqueter, en fait on avait cette bouteille, on ne savait pas du tout l'étiquette qu'elle allait avoir. Et Maïko est arrivé à ce même moment, il a marché sur le dos d'une étiquette. Et c'est comme ça que est venue cette révélation, le petit baron avec sa patte de chien. Ça c'est quoi? Du coup ça c'est du grenier médocain, donc c'est une spécialité vraiment du Médoc. D'accord. Donc c'est très bon. Vas-y, je peux te servir. Je peux prendre un petit? Tu peux commencer par un petit. Et à la fin tu finiras par un gros morceau. Franchement c'est bon hein. J'aime bien, c'est salé par contre. Ça s'accompagnera parfait avec le petit baron. Alors tu m'embauches? Maïko a l'air de bien t'aimer, donc c'est ok pour moi. Cool.